Pour arriver à manier en toute sécurité une arme, il y a de nombreuses méthodes. Mais pour apprendre rapidement et profiter à 100% des innombrables heures qu'on finit par consacrer au maniement de l'arme, il n'y en a qu'une. Partir d'une base d'exercices simple, mais avec une méthodologie étudiée et créée pour que la progression de l'apprentissage soit garantie. Partant de cette base, je vous présente la méthode Nunchaku de 0 à 100. J'ai développé cette méthode après des années d'entraînement et d'études, dans l'intention de remplir un vide qui existe quant à l'enseignement du maniement du Nunchaku. Cette première vidéo part de zéro, autrement dit, de la connaissance nulle du maniement de cette arme, et en quelques minutes, le nouveau venu réalise des exercices qui lui étaient impensables. Des exercices qui, sans la visualisation et la compréhension de la méthode, exigeraient de lui des semaines de travail pour arriver à les réaliser ou qu'il ne pourrait tout simplement jamais réaliser. Cette vidéo offre une méthode qui est valable aussi bien pour le débutant que pour l'élève avancé, car elle leur apportera des directives pour son entraînement et maniement qui surprendront beaucoup d'experts en Nunchaku. Commençons par la base du mouvement. Partant de zéro, nous allons expliquer comment tenir le Nunchaku près de la chaîne pour faciliter le mouvement et nous allons travailler le mouvement vers l'avant. Le départ de zéro consiste à comprendre le mouvement circulaire vers l'avant et vers l'arrière. À partir de là, nous allons créer des modèles de mouvement qui nous permettront d'augmenter les possibilités au maximum. Mouvement vers l'avant, nous freinons ici. Mouvement vers l'arrière. C'est très élémentaire, mais c'est très important. Mouvement vers l'avant. Mouvement vers l'arrière. Nous ralentissons toujours en terminant. Nous continuons depuis cette position. Nous avons appris le mouvement vers l'avant et maintenant, nous allons continuer avec le 8. Nous tournons le poignet, nous tournons le poignet. Ce mouvement continu serait un 8 vers l'avant. Nous effectuons le mouvement vers l'avant. Et 8. Importante, la rotation du poignet. Le mouvement continu est un 8. Mouvement vers l'avant. Rotation de poignet. De nouveau, en continuant le mouvement, nous effectuons le 8. La même chose vers l'arrière. Je tourne le poignet. Je tourne le poignet. Ce mouvement continu serait un 8 en arrière. C'est un mouvement plus complexe. Vers l'arrière, c'est un peu plus difficile. Je tourne le poignet, continue, à l'intérieur et à l'extérieur, intérieur, extérieur. Je tourne vers l'arrière. Nous avons vu deux mouvements, mouvement vers l'avant et vers l'arrière, et 8 vers l'avant et vers l'arrière. Niveau suivant du 8 vers l'avant. Nous allons voir la variante du 8 avec rotation de coude. Mouvement vers l'avant et en tournant le coude. Le 8, nous le manions déjà. Je tourne le coude et retour par l'extérieur. Mouvement à l'extérieur. Maintenant, tout en suivant. Changement de main, 8 vers l'avant et je tourne le coude.
nous allons voir maintenant les changements de direction. Jusqu'à présent, nous avons vu des mouvements avec des directions vers l'avant et vers l'arrière, mais nous nous arrêtions en ralentissant. Je ne touche aucune partie de mon corps. Nous allons maintenant toucher une partie du corps pour effectuer un changement de direction, ce qui donne plus de vitesse au mouvement. Par exemple, je vais vers l'avant et je touche mon aisselle. Le coude se trouve vers le haut. Je peux automatiquement déplacer le nunchaku vers l'arrière. Je touche l'épaule et automatiquement, je vais vers l'avant. Je touche l'aisselle et ensuite l'épaule. Aisselle, épaule. Ce coup me permet de réaliser facilement un mouvement identique au précédent, mais beaucoup plus énergique. Il est visuellement plus spectaculaire, tout en étant plus efficace. Aisselle, épaule. Deux changements de direction, épaule, aisselle. Nous allons voir deux de plus à la hanche. Premièrement, nous allons vers l'avant. Nous touchons l'aisselle et l'épaule, et partant de l'épaule, nous allons aller tout droit sur la hanche, comme si nous frappions. D'ici, nous tournons et je reviens à la position initiale. Le mouvement est diagonal. Et nous revenons. Mouvement aisselle, épaule, et partant d'en haut, je vais à la hanche de l'autre côté. Le mouvement suivant serait hanche double. De l'épaule, je vais à la hanche contraire, hanche du même côté que le bras qui travaille, et je reviens à l'épaule. Hanche contraire, hanche du bras qui travaille. Observez la position du bras. Maintenant avec l'autre main, épaule et aisselle avec rotation de l'extérieur, et depuis l'épaule, je vais à la hanche contraire. Hanche du bras qui travaille, et je reviens en haut. Nous allons voir un autre changement de direction en partant de la position de l'épaule. Nous allons aller à l'entrejambe avec un mouvement circulaire descendant. Je descends et je monte. Nous devons travailler avec la hanche. Nous ne travaillons pas avec le corps immobile. Si possible, nous commençons à introduire des rotations de hanche. Le coup se fait sur un côté de la jambe. Épaule et en bas. En haut, en bas. Épaule entre jambes. Et maintenant, nous allons aller au cou. Partant de l'épaule, nous faisons un mouvement horizontal. Je reviens à l'endroit et à ma position. Épaule, cou. Je n'attrape pas le nunchaku. Il rebondit et revient. De nouveau. Entrejambe, cou. Entrejambe, cou. Le changement de direction suivant que nous allons voir sera entre jambes, hanches, épaules. Dans cet exercice, nous allons travailler trois changements de direction.
Nous partons de l'épaule, nous allons à l'autre jambe, hanche du bras qui travaille et épaule. Entrejambe, hanche, épaule. Épaule, en bas et en haut. Vous avez vu que je travaille avec la main droite et ensuite avec la gauche. Il est important de pratiquer avec les deux mains. Plus tard, nous travaillerons avec les deux mains. Il est important que les exercices que vous faites avec une main, vous appreniez à le faire avec l'autre avant de passer à un autre mouvement. J'apprends à faire l'exercice avec une main et ensuite avec l'autre. Nous allons ouvrir une parenthèse à l'intérieur des changements de direction pour expliquer les roulements. Un roulement, c'est n'importe quel changement que nous faisons pour que le nunchaku roule sur la main. Plus loin, nous verrons les roulements avancés, mais ici, nous n'allons voir que deux roulements. Avant de voir ces deux roulements, nous allons commencer par pratiquer un exercice pour apprendre la technique du roulement sur la main. Nous saisissons le nunchaku près de la chaîne, avec les sections vers le haut. D'ici, nous lâchons le nunchaku et nous ouvrons la main. Le nunchaku vers le haut. Nous ouvrons et nous saisissons l'extrémité postérieure du nunchaku. C'est le mouvement. Le mouvement s'effectue avec l'inertie du nunchaku et j'ouvre la main. Le nunchaku finit par revenir. Cela ne demande que de la pratique. Nous attrapons, nous ouvrons et nous lâchons. Nous continuons de tenir ici. Et quand le nunchaku passe par derrière, je lâche l'autre. Profitez de l'inertie, c'est le mouvement. Le deuxième mouvement est contraire à la direction suivie. Une fois qu'il revient, j'envoie le nunchaku dans la direction d'où il provient. Je commence le mouvement, nous arrêtons, le pouce vers le bas, et il revient. Nous faisons toujours le roulement en ouvrant la main, dans une direction et dans l'autre. C'est très simple. J'ouvre, l'inertie l'entraîne vers l'arrière, et ça y est. D'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Le nunchaku roule sur la main grâce à l'inertie. J'ai travaillé le mouvement et j'arrive à le faire. Maintenant, je vais appliquer le roulement au changement de direction. Nous allons partir de la position du nunchaku sur l'épaule. Je déplace le nunchaku sur la hanche contraire et d'ici, j'ouvre la main et je vais de l'autre côté. Il est important de laisser rouler le nunchaku. Nous ouvrons la main et nous le laissons rouler. Il ne faut pas aller chercher le nunchaku trop tôt. C'est une erreur. Les débutants vont chercher le nunchaku. Ce qu'il faut faire, c'est jouer avec l'inertie. J'ouvre la main et il reviendra. Si vous observez bien le mouvement, vous verrez qu'après le roulement, il a une rotation sans lâcher le nunchaku. Depuis cette position, je fais le mouvement et ici, je fais une rotation en tenant le nunchaku. La rotation permet de faciliter le retour de l'autre côté. J'ouvre la main, je prends le nunchaku et je tourne. J'ouvre, je prends le nunchaku et je tourne. J'ouvre, je prends et je tourne.
C'est plus simple que le changement direct. Mouvement suivant avec roulement et dernier changement de direction. Ce roulement, nous allons le faire en touchant la cuisse. Tout comme avant, je commence le mouvement à partir de l'épaule. Je vais à l'intérieur de la cuisse, j'ouvre et je reviens. J'ouvre la main et je reviens. De nouveau, épaule, et je vais à l'intérieur de la cuisse pour faciliter le retour. Mouvement direct, mouvement avec rotation. Une fois que nous saisissons le nunchaku, cela facilite son retour. Mouvement direct, et mouvement avec retour. Nous allons faire une combinaison en appliquant trois changements de direction. Parfois, nous en ferons deux. Parfois, nous en ferons trois. Mais l'important, c'est que je veux que vous voyez un exemple de combinaison de changement de direction avec les mouvements initiaux, pour que chacun, voyant un exemple, soit capable de créer. Le premier objectif de mon système, c'est d'instaurer une méthodologie et de créer une procédure de travail pour les apprendre d'abord, pour les comprendre ensuite. Pourquoi on touche le corps? Pourquoi on fait ces mouvements? Et troisièmement, pour qu'à partir de quelques exemples, tout le monde soit capable de créer. Nous allons voir un exemple de combinaison simple. Épaule, hanche double, épaule, entrejambe, et 8 vers l'arrière. Observez que quand je lève le nunchaku, quand je touche l'entrejambe et que je monte, je vais faire une rotation à l'intérieur et une rotation à l'extérieur. C'est un 8 en arrière. Souvenez-vous quand nous avons vu les 8 vers l'arrière. Nous allons le voir. Deuxième exemple de combinaison. Épaule, hanche directe, je reviens à l'épaule, entrejambe, hanche, épaule, cou et je reviens. Nous allons le voir de côté. Troisième combinaison de changement de direction. Je commence sur l'épaule, je vais à la hanche avec roulement, entrejambe avec roulement, et je tourne vers l'avant en 8 avec rotation de coude. Hanche plus roulement, entrejambe avec roulement, et 8 avec rotation de coude.
Dans ce chapitre, nous allons voir les changements de main. Nous allons travailler le changement de main élémentaire au-dessus de l'épaule. Mon autre main va freiner le nunchaku et en même temps, elle le saisit, avec un retour en arrière. La direction du mouvement est vers l'arrière. Retour vers l'arrière, nous faisons une rotation à l'extérieur et nous saisissons le nunchaku. Observez que j'étends le bras au moment de prendre le nunchaku pour éviter qu'il me frappe. Quand je travaille, je le fais avec le bras tendu. Je travaille vers l'arrière, le bras tendu et je l'approche. Extension, flexion. Changement de main suivant. Changement de main dans le dos. Mouvement vers l'arrière. Cette main avec le pouce vers le haut. Nous effectuons une rotation vers l'arrière à l'extérieur. Rotation à l'extérieur et je change de main dans le dos. Troisième changement de main, dans l'entrejambe. L'autre main attrape par derrière. Observez comment nous plaçons la main de réception du nunchaku. Direction vers l'arrière avec un tour et je reprends. Tourner le corps facilite beaucoup la réception. Nous tournons le corps. Observez que l'on peut travailler directement, sans rotation vers l'arrière ou avec une rotation. C'est applicable à tous les mouvements. Nous pouvons travailler en ajoutant des rotations ou directement. Ça, c'est direct avec changement de main à l'entrejambe. Et ça, c'est avec rotation vers l'arrière. Direct, avec rotation. Nous continuons avec changement de main sur la hanche. Changement de main sur la hanche par derrière. La position de la main qui reçoit le nunchaku est la même que celle qui l'envoie. La réception est identique. Nous accompagnons avec la hanche le mouvement pour lui donner plus d'énergie. Hanche contraire, changement de main de dos sur la hanche et je reviens. Changement de main suivant. Changement de main sur la hanche contraire. La main qui reçoit se place dans la même position que la main qui envoie le nunchaku. C'est très important. Je lâche et je reviens. Nous envoyons le nunchaku à la hanche contraire. La main qui reçoit reprend à l'extérieur. Et la fois suivante, ce sera à l'intérieur. Si je le reprenais toujours à l'extérieur, j'arriverai au bout du manche du nunchaku. Dans un mouvement, je saisis le nunchaku à l'extérieur et dans le suivant,
à l'intérieur. Changement de main suivant. Changement depuis l'aisselle. Position depuis l'aisselle. Je prends le nunchaku avec la main contraire et mouvement de cou. Je reviens à l'épaule et à l'aisselle. Je prends le nunchaku avec l'autre main et je fais la même chose. Une fois à l'extérieur et l'autre fois à l'intérieur. Extérieur, épaule, aisselle. Mouvement suivant. Changement de main sur la hanche contraire avec saisie et inversée. Contrairement au changement de main sur la hanche contraire avec saisie normale, maintenant, la saisie est inversée, avec la paume vers le haut. Je lance, je reçois, j'envoie le nunchaku à l'épaule, je reviens au même point et j'applique le changement de main et avec une saisie normale, je vais à l'aisselle. Épaule, hanche contraire et saisie inversée. Je reviens, roulement, changement de main, je vais à l'aisselle et je reviens. Changement de main sur le cou. Position depuis l'épaule. Mouvement horizontal, identique à celui que nous avons vu dans le changement de direction. Mais cette fois, nous saisissons le nunchaku. Je saisis, je lâche. Épaule, aisselle. Position. Je prends et je reviens. Épaule. Important, le bras qui reçoit doit avoir le coude vers le haut. Le bras qui reçoit avec le coude vers le haut. Je lâche le nunchaku et il part horizontalement. Il y a une décélération et je reviens. Changement de main sur la hanche par devant avec saisie normale. Épaule, hanche contraire. Et la main qui reçoit reste tournée vers le haut. Hanche contraire. La main qui reçoit est tournée vers le haut. Et quand le nunchaku revient, nous le saisissons. Il revient. La main qui reçoit est toujours au-dessus. Nous laissons le nunchaku être porté par son inertie, comme nous avons vu dans les 8 et les roulements. Le nunchaku doit profiter de l'énergie. Il ne faut pas aller à la recherche du nunchaku. Le nunchaku vient tout seul. Je change de main dans le creux poplité. Partant de l'épaule, je lève la jambe et j'accroche le nunchaku. Main en saisie inversée vers le haut et je change de main de dos sur la hanche et je vais à l'aisselle. J'accroche le nunchaku, je le prends en arrière et en haut.
nous allons réaliser une combinaison en appliquant des changements de main et également de direction. En commençant depuis la garde d'épaule, nous faisons le changement de main, 8 en arrière, changement de main élémentaire, changement de direction à l'épaule, changement de main à l'entrejambe, changement de main dans le dos et je reviens à la position initiale. 8 en arrière, changement de main élémentaire, changement de main à l'entrejambe, changement de main dans le dos. Nous avons 3 changements de main. Nous allons voir une deuxième combinaison. Changement de main à l'aisselle. Changement de main sur le cou. Changement de main sur la hanche par devant. Et changement de main sur la hanche par derrière. Aisselle. Cou. Hanche par devant. Et hanche par derrière. Troisième et dernière combinaison. Important, assimiler les concepts. Nous allons voir un exemple de combinaison de mains. Mais vous devez être capable d'assimiler ce que vous avez vu jusqu'à présent et de créer. Donnons un exemple. 8 arrière, changement de direction avec hanche double, changement de main dans le creux poplité, changement de main sur la hanche par derrière, et je reviens. Exercice de roulement. Rappelons le mouvement que nous avons vu avant de lâcher le nunchaku et de le rouler sur la main. Rouler sur la main. Nous allons essayer de faire un mouvement semblable au 8.
C'est comme le mouvement du 8, mais en ouvrant la main et en faisant le roulement. L'exercice est le suivant. Le mouvement, nous allons le commencer depuis l'épaule et en faisant une rotation à l'intérieur. Épaule et rotation. Épaule et rotation. Après une première rotation, nous allons ouvrir la main et rouler le nunchaku. Je tourne, j'ouvre et je roule. Je tourne, j'ouvre et je roule. Je suis en saisie inversée. Directement à partir d'ici, nous allons vers l'extérieur. De l'intérieur à l'extérieur. Épaule, je tourne, j'ouvre, saisie inversée. Directement à l'extérieur et j'ouvre de nouveau. Voilà, nous avons terminé la séquence. Épaule, je tourne, j'ouvre, extérieur, je tourne et j'ouvre. La différence entre extérieur et intérieur, c'est qu'à l'intérieur, il y a une rotation complète sans lâcher le nunchaku. Sans lâcher. À l'extérieur, je lâche le nunchaku. Je fais la rotation en lâchant le nunchaku. Je tourne, j'ouvre, j'ouvre. Je tourne, j'ouvre, j'ouvre. Roulement vers l'arrière. Nous commençons avec le nunchaku en bas. Le premier mouvement que nous allons faire, c'est passer à l'extérieur, le nunchaku au-dessus de la main, et ensuite nous ouvrons la main. C'est le premier pas. Le nunchaku en bas est saisi normal. À l'extérieur, j'ouvre la main. Ensuite, avec une saisie inversée, je fais une rotation à l'extérieur et j'ouvre la main. Position, je vais en arrière et j'ouvre. Une rotation et j'ouvre la main. Saisie normale, je vais à l'extérieur, j'ouvre directement. Saisie inversée intérieure, je fais une rotation et j'ouvre. Je déplace le nunchaku vers l'extérieur directement. Et vers l'intérieur avec une rotation. Roulement vers l'avant avec rotation de coude. Je commence avec un mouvement de 8 avec rotation de coude. Souvenez-vous que nous avons vu cela au début. Cette rotation de coude, nous allons l'appliquer au roulement. Premier roulement vers l'avant.
quand nous allons à l'extérieur et que je saisis le nunchaku, je vais tourner le coude pour faire une rotation. Et je continue. Roulement normal, et quand je vais à l'extérieur, je tourne le coude, en faisant une rotation avec le nunchaku à l'extérieur, pour aller ensuite à l'intérieur. Avec cette rotation, nous obtenons une plus grande accélération, en plus d'un effet visuel bien plus spectaculaire. Dans ce chapitre, nous verrons le travail avec deux nunchaku. Une fois pratiqués tous les mouvements que nous avons vus avec les deux mains, il est important de commencer à travailler de manière synchronisée, avec les deux mains à la fois. Pour cela, nous devons avoir préalablement travaillé avec la main gauche. Nous avons beau être des maîtres de la droite, mais si nous n'entraînons pas avec la gauche, nous ne pourrons pas manier les deux nunchaku en même temps. Commençons par le plus élémentaire, en partant de zéro. Direction vers l'arrière. Direction vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, en arrière, en avant. En ralentissant. Mouvement suivant, 8 vers l'avant. Intérieur et extérieur. Mouvement continu de 8 vers l'avant. Extérieur et intérieur. Intérieur et extérieur. Mouvement continu de 8 vers l'avant. La même chose vers l'arrière. Rotation de poignet et 8 vers l'arrière. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Huit vers l'avant avec rotation de coude. En veillant à ne pas cogner les nunchaku quand ils passent par le centre. Rotation vers l'avant avec 8. Rotation de coude. Bloc de travail suivant avec deux mains. Nous allons voir les changements de direction. Ce sont les mêmes changements de direction qu'avec une main. Position de garde d'épaule. Aisselle, épaule. C'est un mouvement continu. Même exercice en appliquant une rotation. Vers l'avant et vers l'arrière.
à l'extérieur, rotation devant l'aisselle, rotation derrière l'épaule. Changement de direction, épaule entre jambes. Même exercice avec rotation vers l'arrière et rotation vers l'avant. À l'extérieur. Mouvement direct, épaule entre jambes. Rotation extérieure vers l'avant, en bas, et rotation vers l'arrière extérieure, en haut. Changement de direction, épaule, hanche contraire, épaule. Attention au choc des nunchaku. La main passe une fois au-dessus et la suivante en dessous. Gauche au-dessus, gauche en dessous. Changement de direction, hanche double. Nous commençons avec un bras. Hanche contraire, même côté, épaule. Quand je domine avec une main, je change à l'autre. Il faut dominer les mouvements avec les deux mains. Au moment où on termine avec l'une, on commence avec l'autre. À mesure que nous acquérons de l'aisance, nous accélérons avec le bras qui commence et nous acquérons du rythme. Changement de direction entre jambes, hanches, épaules. Tous ces changements de direction sont relativement faciles si vous savez travailler avec la droite et la gauche. Entre jambes, même hanche, épaule. Nous avons déjà travaillé le mouvement avec un bras. Quand nous le dominons, nous le faisons avec l'autre. À mesure qu'on acquiert de l'aisance, on accélère avec le bras qui commence. Nous acquérons de l'aisance avec un bras et ensuite avec les deux. Travaille avec deux nunchaku, 8 vers l'avant et 8 vers l'arrière, avec changement de direction à l'entrejambe et à l'épaule. 8 vers l'avant à l'entrejambe. 8 vers l'arrière à l'épaule. Le 8 vers l'arrière, nous le commençons à l'intérieur. À l'intérieur.
Voici le travail de cette défense. Direction de frappe. Nous allons travailler sur quatre lignes. Sur chacune d'elles, nous aurons deux directions de travail. Sur la même ligne de travail, sur chacune des quatre lignes de travail, nous allons voir deux directions de coups différentes. Nous allons travailler avec un hand mitt. Nous commencerons depuis la garde des selles, mais nous pourrions également travailler depuis l'épaule. Vous pouvez vous entraîner comme vous voulez. Je vais commencer depuis la garde des selles. Première direction de frappe, ligne verticale descendante. Il est important de contrôler la décélération. De nouveau. La zone de frappe est l'extrémité du nunchaku. Parce que si, quand je frappe un objet, je frappe avec tout le manche du nunchaku et que l'objet est solide et n'absorbe pas le coup, le recul du nunchaku serait incontrôlable. Si je frappe avec la pointe, j'obtiendrai un coup décisif du fait de la vitesse engendrée par l'accélération et l'inertie. Et le recul sera minimum. Observez comment après avoir frappé, le nunchaku continue son parcours. Il est important d'essayer de frapper avec l'extrémité du nunchaku, même si au début, on rate. Coup descendant vertical. Coup ascendant. Maintenant, les deux coups en suivant. Observez le travail de l'autre main. Je ne bouge pas seulement le bras du nunchaku. Nous essayons de compenser l'énergie engendrée par le nunchaku en freinant avec l'autre bras. Nous utilisons deux forces. La force qui frappe et l'interaction avec le corps qui m'aide à compenser et à freiner. Tout en me servant de protection. Deuxième ligne, ligne horizontale. Il est important de tourner la hanche. Il faut changer le poids de jambe. Maintenant, sur la même ligne de frappe, nous allons changer de direction. Observez la rotation du corps initial. Premier mouvement. Deuxième. Maintenant, les deux mouvements suivants. Nous allons maintenant voir les lignes de frappe diagonales. Première et deuxième. Nous allons travailler la première diagonale descendante. Maintenant, première diagonale ascendante. Les deux mouvements en suivant. Deuxième diagonale. Première diagonale et deuxième diagonale. Nous tournons le corps. Deuxième diagonale, l'ascendante. Les deux mouvements en suivant.
Combinaison de toutes les directions de frappe en suivant. Nous allons maintenant réaliser un exercice de frappe d'objets en mouvement. Cet exercice permet d'améliorer nos réflexes. Depuis la position de garde d'aisselle, on va me lancer des objets et je vais essayer de les frapper. Nous continuons avec l'exercice de frappe d'objets en mouvement, mais maintenant, nous commençons depuis la garde d'épaule. Nous allons maintenant commencer depuis une position neutre. Je lâche une section du nunchaku, je vais à l'épaule et je frappe. Position neutre, je lâche, épaule et je frappe. Nous allons voir quelques exemples de self-défense avec un camarade. Nous vous montrerons 5 exemples. Mais n'oubliez pas que l'important de la méthode, c'est d'assimiler ce que nous avons appris et de le mettre en pratique, en utilisant les directions de frappe avec des changements de main, des sorties et des coups. Avec tout cela, nous aurons une ample variété de techniques de self-défense. Thank you.
Nous allons voir un peu plus en détail le désarmement de couteau. Nous observons que l'attaque se produit avec le tranchant du couteau vers le bas. Dans la défense, je vais bloquer le bras armé. J'appuie avec mon bras vers le bas et avec le nunchaku, je le désarme. Je bloque, je frappe et je désarme. Après, je frappe avec le coude. Observez bien le désarmement. Nous allons le voir une fois de plus. Allons-y. Et je frappe avec le coude.